chance d'être réunis pour les 20 ans de Jazz Migration. J'ai pas vu les 20 ans passer. On se retrouve ici donc pour les 20 ans et c'est une sorte de cousinade où il y a 20 musiciens qui ont participé à ce dispositif qui se retrouvent. Il y a un vrai jeu pour nous, anniversaire, fête. 20 ans de Jazz Migration. Plus de 200 musiciens qui sont passés dans ce programme. Jazz Migration, ça n'est qu'un dispositif institutionnel, hein, mais c'est une histoire du jazz français. Antoine Boss m'a proposé de faire la direction, coordination artistique de la soirée des 20 ans de Jazz Migration. Cette soirée, elle a une résonance particulière pour moi. Il y a une vraie forme d'émotion, il y a aussi un vrai plaisir à voir ces 20 musiciens sur scène. Il y a une belle vitrine de musiciens qui sont passés par dispositif et on a un plateau qui est magnifique. Il fallait que ça soit des musiciens assez représentatifs des 20 ans et avoir une orchestration cohérente. C'est un bon casse-tête. Moi, je suis un ancien lauréat. J'ai fait Jazz Migration en 2011 avec Métallophone. C'était un trio. Ça a été un peu le lancement de nos carrières, en fait. Ce que j'aime beaucoup dans le montage de cette soirée, c'est qu'il va y avoir quelque chose d'éphémère. Et ça fait que tout le monde se réjouit de vivre ces deux jours de répétition et ce concert. Ouais, c'est bien quand tu lâches le truc aussi, on a envie d'entendre... Ah oui ? Oui, carrément. Et à chaque fois avec B1, B2. Cet orchestre, avec plein de fortes personnalités, va être créé le temps d'une soirée. Et ça, c'est très excitant. Qui accompagne des jeunes musiciennes et musiciens dans leur parcours, dans leur carrière. Là, ce soir, ça va être l'exemple assez admirable de toutes les différentes générations et de ce que ça a pu apporter justement dans les bancs de carrière de certaines et certains. Ça fait plus réunion de copains, on est hyper contents et en même temps on se découvre avec,
avec d'autres, comme il y a plein de petites formations. Et je me sens assez chanceuse d'avoir été conviée à la fête. Je vois vraiment comme un truc assez festif et je suis hyper content. C'est l'occasion de faire des trucs qu'on fait pas d'habitude. C'est un super beau moment de partage là, qui se passe. Donc, j'espère que ça se sentira musicalement, j'en doute pas beaucoup. On a l'impression de faire un stage d'été à 17 ans où on a des ateliers. Tiens, on va bosser la musique de machin, le rythme avec truc. C'est un moment pour se retrouver, pour faire un peu le point sur où on en est, pour passer un bon moment. Et c'est chouette aussi de se frotter un peu au répertoire de chacun. Autant de gens au plateau, comment je le ressens? C'est super, j'adore. C'est que des gens super, c'est chouette. La tâche la plus difficile pour moi, ça a été de réunir 20 musiciens parmi ces 200 musiciens. J'aurais pu monter 4, 5, 6 orchestres. Beau trombinoscope du jazz français, après il en manque plein, hein. Parce qu'il y a vraiment des groupes marquants qui ont fait Jazz Migration. On aurait pu en faire plusieurs, comme ça. Jazz Migration est un projet qui a été imaginé par l'ancêtre d'AJC. À l'époque, ça s'appelait l'AFIJMA. C'était une réunion de festivals à l'époque, de festivals innovants qui ont créé ce dispositif donc en 2002 et qui a été repris par la suite par AJC qui a poursuivi le travail pendant ces dernières années. À partir de 2013, quand nous sommes devenus AJC, il y a eu cette envie d'accueillir en son sein tous les diffuseurs de jazz. Donc par diffuseur, on entend toutes les structures qui font la diffusion et la promotion de ces musiques-là. Donc ça va être des festivals, des clubs, des théâtres de ville, des scènes nationales qui travaillent sur ces esthétiques. Nous sommes 90 structures de diffusion qui ne sont pas que en France. On a aussi une dizaine de partenaires en Europe. Jazz Migration est né du temps de l'AFIJMA. C'est une commission que j'ai désiré créer au sein du CA et qui n'était pas au départ quelque chose qui concernait véritablement l'émergence ou alors c'était l'émergence des groupes qui vivaient en région. Et puis assez vite, on s'est posé que les problèmes des critères et le critère d'âge est arrivé assez vite. Donc on a basculé progressivement, en 3-4 ans, vers un programme dirigé vers des musiciens plus jeunes. C'est devenu un dispositif d'accompagnement de jeunes musiciens et musiciennes, de musiciens donc émergents. Nous, chaque structure participante à Jazz Migration, on a comme objectif de repérer, j'aime pas trop ce terme, mais de repérer une formation qui peut être proposée dans le cadre de ce dispositif d'accompagnement.
Ça nous pousse aussi à aller vers des jeunes musiciens et musiciennes. Quand on propose un groupe, ce qui est intéressant, c'est qu'il est écouté par l'ensemble des membres du jury, ce qui est déjà intéressant finalement pour le groupe, même si derrière, il n'est pas choisi par le dispositif. On s'est aussi beaucoup approché du CNSM à Paris, et donc on avait tous les musiciens qui montaient à la capitale. Ce projet avec donc cette grande diversité d'approches de la musique. Et comme les musiciens sont aussi dans des diversités, voilà, je pense que ça cohabite assez aisément. Aujourd'hui, les artistes doivent maîtriser des missions qui ne sont pas initialement les leurs. Les structures d'enseignement préparent très peu les musiciens et musiciennes à rentrer dans le métier de musicien. Nous, on a pris le parti de faire un temps de formation. Ça peut être de l'accompagnement personnalisé en fonction des besoins des artistes, mais on a aussi un tronc commun et puis aussi des rencontres professionnelles. La première année, on a des formations sur la communication. Il y a eu un module autour des droits d'auteur, sur la structuration, l'administration, les sociétés civiles. Un module de présentation de la SACEM, le CNM, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qui est qui. C'est le genre de choses qui sont très, très concrètes, en fait. Tout ça pour devenir des grands. Il y a une fierté à voir le projet continuer à se développer, c'est-à-dire qu'il y a des projets avec l'étranger, avec l'Europe, etc. C'est un projet qui est novateur en France et puis qui est novateur en Europe aussi. Donc oui, il y a une fierté d'avoir été à l'origine de ça, même s'il a été largement amendé après. Alors ce qui a été assez chouette tout de même, ça a été de me replonger dans dans tous les groupes qui sont passés par Jazz Migration. Thank you.
tournée Jazz Migration, c'est que du coup, c'est vraiment l'opportunité de jouer vraiment beaucoup, 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 beaucoup devant plein de publics. Bon, ça nous a fait, quoi. C'est aussi de voir l'aventure se continuer, un très beau dispositif qui va de mieux en mieux et j'en suis très content. Nous, ça nous a vraiment permis de faire pas mal de concerts, ce qui a été vraiment très chouette pour l'histoire du groupe et puis pour la musique. C'est vraiment génial. Je pense qu'actuellement, faire 30 dates dans une année avec un même groupe, ça n'arrive pas. C'est que des projets, je trouve, assez singuliers. Donc je trouve que ça, c'est important. Et c'est ça qui fait que, je pense, après, il y a une durée de vie derrière et quelque chose qui se poursuit. C'est la singularité des projets. Que c'est une chance, il y a une telle intensité qu'on grandit d'un coup. C'est très enrichissant et puis ça permet de, en fait, d'intégrer une famille dont on a l'impression de faire partie mais qui ne nous connaît pas encore, qui va être là pendant de nombreuses années. Ça donne du rebond parce qu'on a tous plein d'autres groupes, on n'a pas juste un groupe, ça crée des ramifications hyper intéressantes. Ça a été une grosse, grosse, belle année tournée. Ça nous a permis de rencontrer des gens, de parler, de comprendre des choses sur comment on construisait des créations, projets. Voilà. Merci Jazz Migration.